Oh, ça va être trop bien. Salut à tous, c'est Okonaï, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, on est avec Galio. Parce que je vous ai pas montré une full game avec Galio. Et je voulais vous montrer une game. Et en fait, ça tombe super bien parce que... pendant le stream, en fait, on a eu que des games de merde avec des gens à 40% de winrate en plate. Et je comprenais pas pourquoi. Et là, là, depuis deux games, je suis avec des gens qui ont à peu près le même winrate que moi. En face, la Annie a plus de 70% de winrate. C'est clairement un smurf qui vaut plus que Diamant 5, donc ça va être très très bien. Même en face, j'ai cru voir... Attends, je vais juste check encore. J'ai cru voir des bons trucs. Voilà, le jungler est à 71% aussi, donc c'est un bon petit smurf. Le reste, bon, il y a l'ADC, le top, qui est à 43, et le support à 55. Et toute mon équipe est aux alentours de 50% de Moonlight. Donc ça s'équivaut. Ils ont deux gros smurfs qui sont probablement diamant 2, diamant 1 pour avoir un win rate comme ça. Donc on va voir, ça va être super intéressant. Et du coup, ah oui, je voulais vous parler d'autre chose. C'est triste, mais ça devait arriver. Zombie Ward a été nerfé. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de durer 3 minutes quand elle va devenir une Zombie Ward, elle va durer maintenant plus que 1 minute au niveau 1. Et ça, bah, ça nique tout. Après... On va pas se mentir, c'était pété, c'était n'importe quoi. Je l'avais dit, hein, je l'avais dit que cette rune était complètement pétée. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas à cause de moi que ça a été nerf. Clairement pas, je n'ai pas autant d'impact dans League of Legends que vous pensez. Certains en tout cas. C'est juste que la rune était pétée, ça donnait beaucoup trop de vision. Et la vision, bah, ça carré comme pas possible en fait. Ok, une Annie agressive qui m'a mis deux shots et j'ai pris cher là. Alors elle joue avec Ignite, probablement qu'ils jouent au Q, j'ai pas check. Mais qu'ils ont le même winrate, c'est suspicieux. Du OQ dans ce OQ c'est trop simple, hein. Si vous voulez monter, faites du OQ. C'est juste que moi je sais pas, j'ai pas envie de du OQ. Je trouve ça pas, je sais pas. Je trouve ça trop simple, après c'est juste mon avis, hein. Je préfère vraiment galérer seul comme une merde. Ça m'amuse. Bon, elle au moins, elle back à chaque fois, du coup, je peux pré-shot le Q. En fait, le fait qu'elle soit bonne me permet de toucher mes Q plus facilement, en fait, c'est débile. Ouais, fais attention, mon petit Graves. Ok, on va passer, bon, t'es niveau 3, soon ou pas? Pas vraiment soon. Elle est niveau 3, faut que je fasse gaffe. Je vais pas avoir le canon. Oh, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. J'aurais pu la tuer en vrai, j'aurais pu la tuer parce qu'elle a vraiment plus rien. Elle va vouloir le Q celui-là. J'essaie de pré-shot le... Ah yes. Pff. Oh c'est pas passé loin là. En fait j'essaie de pré-shot le Q pour son flash, mais il allait pas assez loin. J'ai eu beaucoup de chance que mon Ignite fasse le dernier trick. Nice, GG les gars. Est-ce que je push un petit peu? Oui. Parce que là, sinon, ça va pas le faire. Ok, nickel. Oh, désolé, c'est ma première game de la journée. Vous le sentez peut-être à la voix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est juste qu'on l'a poke au Q. On l'a eu petit à petit. Et après, tu fais ton combo. Faut éviter de faire ton combo quand elle a 100%, sinon elle va te trade back et c'est pas ouf. Donc, on va y aller full AP, hein, on s'en fout qu'elle soit un smurf. Là, l'avantage, c'est que c'est un Ken, donc c'est un Ken qui va être plus être chiant en mid-late game, mais en early game, ça va pas être trop chiant. D'ailleurs, avec Galio, vous contrez Ken, hein, parce qu'avec tous les CC, en fait, il aura pas le temps de faire son ult, potentiellement. C'est plutôt stylé. Annie, on risque de se faire défoncer sur combo. Donc, à voir. Faut que j'aille warder aussi, à un moment donné. On l'embête un peu. On a eu le canon, c'est cool. Le Q niveau 3. Le Graves qui fait le taf, GG. On continue de la poke, on fait très 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 mal. Je suis pas trop le fou parce que là j'ai vraiment pas de vision par contre. Ouais, je sens que Galio va être quand même un peu nerf, hein, c'est...
Il y a un truc qui cloche dans le champion quand même, hein. Mon dieu que c'est fort. Je vais voir d'ici. T'as déjà back. Ok. Après c'est la puissance d'être un AP Galio, hein. C'est à dire que tu fais tellement mal. Là on est à 70 d'AP. QTQ bah ça fait super mal en fait. Tout est dans le Q en fait. Le Q va tout faire en fait. Tu affaiblis ta cible avec ton sort, le premier sort, le Q. Et ensuite, tu peux te permettre de faire les combos vu que t'es ultra fragile, faut faire super gaffe en fait. Merde, je pensais pas toucher le canon. Regardez-moi ça, le Q, comment il fait des dégâts de ouf. Après, il faut être full AP, ça, on prend des risques évidemment, etc. Mais bon, on comprend l'idée quoi. Bah là, là, lui il est là, lui, mais... Je m'attends, parce qu'en fait j'aimerais qu'il counter gank en fait, faudrait qu'il vienne. On sait qu'il va être là. Merde. Elle a plus son stun. Bon j'ai mon ult au cas où hein. J'ai mon ult au cas où. Là j'arrive pas à la toucher. En fait je suis plus en je suis plus comment dire en train de voir où il est. Je pense que le Kayn est là-bas. Je pense que le Kayn est là-bas. Du coup je vais en profiter pour la faire chier sous tour en vrai. Parfait, on la domine bien quand même. 20 CS d'avance. Non le greffe faut qu'il prenne. Hein. Non, faut qu'il prenne. On va lui deny un petit peu de CS. Alors je rate pas mal de CS. Ok, il est top. Il est top. Alors je pourrais la tuer avec un flash, mais j'ai pas envie d'utiliser non plus le flash pour ça en fait. Là juste la mettre low en fait. Là je pourrais la flash ignite, tout ce que tu veux. Mais c'est pas rentable. C'est clairement pas rentable de faire ça. Je préfère garder mon flash pour plus tard. Voilà, elle a fait son ult. Limite elle va crever son truc, sans flash. Ah mais c'est pas... merde, je pensais que la karma était avec moi. Là je flash par contre. Je donne pas un kill à Kayn. Je donne pas de transformation à Kayn. Là la ouais son flash. J'ai toujours mon ignite. Ils ont pu prendre le dragon. J'ai mis de la pression mid. Donc là c'est des questions qu'on peut se poser en fait. Est-ce que j'aurais du flash? Est-ce que j'aurais du flash ignite pour m'assurer de la tuer? Parce que là si je faisais juste flash, si elle me préchotait en fait et qu'elle me tenait sur le tour, j'étais pas bien en fait. J'étais clairement pas bien. Parce que le W flash quand même, on voit venir en fait. Du coup elle aurait pu vraiment me flash sous tour et me stun sous tour et j'aurais pas aimé. Donc là elle a plus d'ultime. Là elle va vouloir le canon. Mais on lui met mid life. Ok. Je suis en BO en passant. Je travaille bien là. Et non, je suis pas en pyjama. Et ouais, j'ai un peu froid, j'aurais dû mettre un pull, je suis débile. Continue la pression, je vais refoutre ma ward ici. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. Donc, toujours cette petite pression. Attention, hein. Putain, il a pas d'ult? Ah si, il avait un ult, hein. J'aurais pu l'ignite, hein. Je me casse tout de suite. Je sais pas s'il a dû un ult l'autre. Ouais, c'est ça. J'étais mort.
J'étais mort. Pourquoi j'ai ult? Parce que le Rumble en fait n'a pas de CC pour arrêter mon ultime. Et là en fait j'étais pris, j'avais plus de E, j'avais plus rien. S'il faisait son ult, j'étais fini. Par contre les gars, c'est parce que je suis plus là en fait. Ok, là j'arrive. Ah merde. Ah merde, c'est chiant ça. Ça passe. N'oublie pas de regarder la carte pour aider les mates quand même. Là, il y avait une ward ici, je crois. Oh, j'ai froid. Oh putain, chiantelle. Ok, bon bah ça va, on a presque le double DCS. Je suis content parce qu'en fait, en stream, on a vraiment eu que des games de merde. Genre, les gens étaient à 40% de win rate. T'avais l'impression que c'était des boostés diamant 5 et qu'ils savaient pas vraiment jouer. No, no offense, hein, mais genre. Je sais pas. Ils avaient peut-être pas leur level. Et du coup, ils sont bloqués. Ils arrêtent pas de descendre, descendre, descendre. Mais c'est extrêmement dur d'avoir 40% de rate. Parce que vraiment, tu mets un bronze. Bah, dans mes games, bah, normalement. Bah, oui, voilà, il va avoir 40% de win rate en fait. Il va pas être à 0, il va pas être à 10, il va être à 40% de win rate. C'est vraiment très compliqué de, à toi seul, ruiner une partie en fait. Merde, 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 j'ai oublié de dire là. Là, tu vois, cette petite information où j'étais pas prêt. Fais chier. Là, c'est my bad. On lui met quelques dégâts. Ah non, qu'ils prennent pas la tour par contre tout de suite. Ce serait un peu dommage. Tu peux te barrer toi l'ours ou pas? Ça, on prend la pression mid et du jungler. Je vais pouvoir prendre la première tour, je pense. J'aurais bien voulu de l'aide. Ils vont l'avoir au moins? Ok. Si on a une des premières tours, c'est bon là, c'est cool. Le casse, elle a potentiellement son ult. Quoique, je sais pas. Elle avait déjà utilisé quand même botlane. Quoique, ça revient vite, je pense. Hein, l'ultime de Annie. Moi, je. Ah, il a sa transformation, le Kayn. C'est cool. Ok, on continue. Donc, cette vidéo, c'est vraiment pour ceux qui voulaient jouer Galio et qui se demandaient comment on le joue. Parce que je vous ai dit à peu près comment on le jouer sans vous montrer de gameplay en fait. J'en ai fait beaucoup en stream, mais c'était vraiment de la merde les games, du coup, là je suis content de vous montrer un bon truc. Même si on fait des plays de merde après, je vais vous dire ce qui n'allait pas, etc. Et puis c'est ça. Je sais pas où est Annie. Elle a potentiellement son ultime. Ok, super. Dommage. Je pensais pas qu'ils étaient genre 2 ou 3 dans le truc. Ma proto-belle, je l'ai mis dans le mur, ça m'a pas fait avancer. Le E, j'étais à 1 cm de pouvoir me casser, mais ça a touché Karma ou Annie, je crois. Donc pas de chance. Et en effet, ce dragon-là, on aimerait bien l'avoir. Donc première mort, my bad. Alors il faut que je fasse très très attention à la stopwatch de Annie. À chaque fois, j'oublie. Ouf, nice, bien joué les gars. Ok, c'est pas grave ça. Ok. Putain, j'ai vachement bien résisté. Ils étaient 3. Bon, elle a fait son ult quand j'ai fait mon W en fait. Je pensais qu'elle elle attendait que je fasse mon W pour faire son ultime. Et du coup, bah, ça va, j'ai bien attendu. On continue. On va prendre maintenant le masque hanté. Ou la baguette explosive. Ça dépend de vos golds.
Alors Graves qui a été up, hein, je rappelle, son W maintenant ralentit beaucoup plus qu'avant, ce qui change tout, hein, clairement pour les ganks. Où t'étais un petit peu inutile avant. Du coup, elle a un petit peu de points de vie, elle a sa stopwatch, faut faire attention. Oula, non, faut faire attention, pas sous tour. Pas comme ça! Fais chier, hein. Fais chier, j'aime. Je veux trop cette tour, je veux vraiment trop cette tour. Je veux juste quelqu'un m'aide un tout petit peu, genre vraiment tu viens 2 secondes, on prend la tour, c'est single tout le monde. Oh là là, les dégâts qu'on met, c'est insane, hein. Bon, ça va, j'ai la tour. Elle peut rien faire. Elle peut clairement rien faire. Après, c'est Annie, hein, faible portée. Donc, c'est normal que je la détruise, hein, en vrai. Bon, après, elle fait un peu n'importe quoi, là. Bah, pourquoi je le tue pas, lui? Pourquoi je me fais chier à pas le tuer? J'ai pas de mana, j'ai pas... Oh putain, ok, A plus. A plus ma gueule! Je suis obligé de ult. Il va mourir normalement. Les mecs, j'ai pas de mana! Ah si, j'ai blue buff, excuse-moi. Comment ça trop? Qui est fed? Y'a personne qui est fed. Oh my god, she's fed! Bon, c'était spécial comme, comme gameplay là. Bah rip ma petite toutour, hein. Bon, au moins mécaniquement ça passe. Parce que des fois mécaniquement c'est vraiment pas ça. Donc là au moins ça joue bien. Les rotations, bon on a fait des drakes, c'est cool. Là c'est erreur de throw. Du coup c'est pas très gênant, ça arrive à tous les lots ce truc là. Et puis c'est pas grave, hein. Au moins de toute façon qu'on perde ou qu'on gagne, je voulais juste vous montrer comment on joue Galio. AP, full AP je veux dire. Donc aucun souci. Niveau ward, je sais pas si on est vu. Ouais bon bah on va pouvoir tuer la Annie. Je suis vu, je sais. Ah mais là on... C'est nul ce qu'on est en train de faire là. Faut pas, ouais, faut pas rester collé les gars. Trop tôt. Too soon. Heureusement que la karma est venue, hein. Ils auraient pu trade et faire des trucs de ouf. Parce qu'on était 3 sur une sur Annie, c'était complètement débile. Lui, je sais pas ce qu'il fait, Graves. Parce qu'on met beaucoup de pression à tuer à la Annie. Yeah. Ok, on peut aller prendre Rumble en vrai. Ok, j'arrive. Il nous a pas vu, il veut push la tour. Moi je vais aller de l'autre côté. Non, il va à gauche. Okay. J'ai lu tout de suite. Ah, fais chier, putain. Je le flash, après peut-être. Vas-y, push! Petit Graves. On aurait pu faire ça aussi. Annie, elle a eu le temps d'utiliser son ult, hein, non, je pense pas. Ok. Dragon Soon. Oh, c'est cool. Je vais essayer de ward un peu. Ok.
Vision ici, il est là, je pense, non, ok. Je sais pas s'ils ont mis nous. Oh! Pourquoi tu ulti le tank? Viens là, viens là, viens là. Un boulet. Ah, il est en 3-5, ok, d'accord. Ah, ça, je crois qu'il va s'en tirer. Il a smite un minion, genre. Il a pas compris que ça marchait pas pour la regen. La botlane qui est pas du tout là. Il commence à prendre cher. Hein. Le Graves, il arrête pas de farmer. Je sais que t'as envie de farmer en tant que Graves, mais faut pas déconner des fois. Ah merde. Tout le monde qui arrive sur eux. Ils sont en train de faire le dragon facilement là. Je le fous de contrôle lui. J'aimerais bien qu'on le tue avant qu'il l'ulti. Ah, c'est bon. C'est pour ça que je suis un contre un peu de lui là. Il peut pas ulti, surtout en assassin, hein, c'est encore pire là. En tank il peut ne pas mourir pendant les CC. Même il. Normalement il meurt pas en vrai. Oh non. Ah, rater le canon, ça c'était pas beau. Mais en vrai la raison pourquoi je joue Galio en passant c'est parce que ça compte complètement Katarina. J'aurais bien vous montrer une bonne vidéo contre Katarina avec une game comme ça, tu vois, où. C'est pas 100% de victoire sur l'un des deux côtés. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ils ont pas de résistance magique. Donc je vais partir. Attendez. On va partir comme ça. Ah ouais. Ah, chier. J'aurais pu vendre mon Doran. C'est un choix que je sais jamais prendre. J'aurais pu le vendre. J'aurais pu le vendre parce que j'aurais pu prendre ça, une control ward. Je pense que ça aurait été mieux. Ok, de mid. Je vais annuler son back. Pour faire le mec chiant. Donc on est à 10 stacks, ça donne combien? 40 là? 45. On va lui prendre un petit peu de sa jungle à lui. Ou l'aider. Tu te fais un peu agresser ma petite. Ça touche! Ça fait mal de ouf! Lui il prend rien par contre. Ok, Xayah. Alors, qui est Fed? Qui? Moi. Ok, d'accord. C'est moi le Fed. Très bien. Il y a moyen de faire des trucs, là. Putain, j'ai froid. J'aime pas ça. Même froid au moins, c'est pas normal, ça. Ouah! Peut-être un peu too late, là. Putain, j'avais pas vu la Janna qui s'était fait catch. GG. Ok, bah on va push là. On peut push. Go, 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 go. Time to punch. Elle s'est fait snipe. Eh oui, faut taper Galio. J'avais peut-être pas besoin d'Ignite en vrai, mais bon. Pff, ça fait mal. Ça fait mal!
Va prendre de farm bot. Ok, il est noir. On va prendre ça. Je vais partir sur un début de soit Rabadon, soit Voidstaff. En fait, normalement, ils vont prendre... Quand je one-shot l'équipe comme ça, ils se disent « Ah, il me faut de la MR. » Et ils commencent à prendre de la MR. Si là, il y a juste lui qui prend de la MR, je vais prendre Rabadon. Et un Q et je vais one-shot tout le monde. Là, c'est même pas un Q, c'est juste que je vais faire mon R sur quelqu'un qui s'est entouré des 5. J'arrive, je détruis tout le monde, en fait. Je suis où? Je suis là, d'accord. J'étais un peu perdu. Ah, bonjour, toi. Ok. Très bien. Je pense que c'est bien wardé un peu partout. Elle a pris cher. Elle a pris midlife avec un Q, tout simplement. Ça va, je prends pas très cher avec le shield de Janna. Ah non, personne l'a one shot, je me suis fait CC en plus deg. Ah la pauvre Annie qui a voulu flash. Oh non, ça c'est horrible. C'est horrible de ouf. Ah, je l'ai eu tout de suite elle. Camille Galio, c'est le meilleur combo hein les gars, hein. C'est insane hein. J'aurais pas la portée malheureusement. Peut-être aider ici. Dommage. Yeah, nice. Et bah GG les gars. Bonne petite game ça. Donc voilà, parce qu'en fait j'ai vu pas mal de gens sur Twitter, Discord et tout, qui me disaient qu'ils avaient essayé. Il y en a beaucoup qui me disent que ça marche, avec des winrates de malade. Donc je suis vraiment content que ça marche pour vous. Il y en a qui arrivent pas, du coup j'espère que cette vidéo va vous aider. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller sur les live Twitch. Je suis pas en train de live aujourd'hui. Vous avez l'horaire sur Discord et sur la chaîne Twitch, si vous voulez voir un petit peu de Galio, un petit peu l'ascension de ce compte en S8. Hein, je rappelle qu'en S8, je vais essayer de tryhard un max pour avoir un certain level. Donc au début, ça va être beaucoup d'entraînement. Et vers la moitié de la saison, bah, je vais essayer de monter le plus haut possible. Là, on essaie juste de passer genre diamant 3 minimum pour avoir des bons levels en face, pour pouvoir s'entraîner, parce que là, on s'entraîne pas vraiment, c'est juste du snowball. Du coup, là qu'est-ce qu'on va faire? Ils n'ont pas de résistance magique en face, le problème c'est que je pourrais l'acheter là, ça me fait chier. Je vais l'acheter quand même. Je vais l'acheter quand même, bah, je sais pas. Là la game elle va trop vite en fait. Là la game est finie en fait, j'ai l'impression que là je vais pas faire de back en fait. On va prendre le baron. Et la partie est finie, en fait, on a déjà deux inhibbots. Et j'ai pas envie de vendre ça, parce que ça me donne 45 pour prendre une grosse baguette et un élixir. J'avoue que j'aurais bien kiffé l'élixir. Élixir sorcier. Go les gars. Il y a Rumble là-bas. Ok, désolé. Ah, ça picote. Ça picote un peu. Rumble KTP en effet. 3 morts pour 2. Voilà, la Janna qui m'a suivi. My bad, c'est moi qui fais le call. Elle m'a bien follow. C'est juste que je comprends pas. Genre, on voyait Rumble bot. On était plus ou moins tous ici. Et on pouvait les prendre en sandwich. Et le Graves est en train de farmer. Je comprends. En fait, faites attention quand vous êtes jungler. En vrai, de farmer. De trop farmer, genre. Des fois, je vois des Lee Sin qui sont un champion. Lee Sin, c'est très early mid game. À moins d'être un monstre en termes de mécanique où tu vas être quand même utile en late game parce que tu vas faire des insectes de malade. Mais la plupart ne peuvent pas faire ça, c'est très compliqué. Et c'est très early mid game. Et je vois des Lee Sin faire, même quand on domine, farmer tout le jungler, leur jungle, au lieu de mettre de la pression. Alors que son équipe met de la pression. Et du coup, tu perds la game comme ça. Du coup, si vous êtes un joueur qui a souvent genre 10-2 de KDA, genre vraiment tu fais plein de kills. Et que t'arrives pas à... Ah, j'aurais pu limite acheter ça en vrai. Vous avez genre 10-2 de KDA et vous perdez, bah c'est pas à cause de votre équipe en fait. C'est parce que vous avez pas profité de votre avance pour gagner la partie.
Parce que là, le Graves, bah, c'est bien. Il a 232 de farm à 30 minutes en temps de jungler. C'est très très bien. Bravo à lui. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Faites gaffe. Le temps qu'on arrive, il y a Graves qui arrive. On va mettre une petite pression mid aussi. Ok, lui on lui met 70%, c'est pas dégueu. On l'a mis juste hors du fight avec ça. Elle, on l'a plus ou moins mis hors du fight aussi. Ok. Bon, je suis mort de toute façon là. Oh, j'ai de la chance. J'ai pu faire mon Q avant de mourir. Nice. En fait, Galio full full AP, vous allez vous faire bolos par les ADC en fait. C'est pour ça que là, j'essaie de faire un. Genre, je m'enfuis pour qu'elle revienne et pour que je la taunte si je fais un turn. Ça n'a pas fonctionné. Bref, bah, du coup, c'était une bonne partie en vrai. J'espère avoir éclairci certains néophytes du Galio full AP. Alors, je rappelle que je n'ai rien inventé. C'est vraiment, j'ai copié un mec qui avait ce build là. Et je suis tombé juste amoureux de ce build. Et je m'amuse comme un petit fou avec Galio full AP. Du coup, voilà. Bah écoute, GG. Ils ont tous été bons, hein. C'est chiant d'en honorer qu'un seul. Mais en tout cas, je suis content parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu une bonne game comme ça. J'ai eu une bonne série de défaites. Hein. Parce que c'était vraiment là. Je déteste dire ça, mais c'était vraiment du pile ou face. Parce que j'avais vraiment. Si tu te tapais les 40%, bah t'avais perdu. Genre là en face. Voilà. Mais en fait, lui, il est à 1-10. Parce qu'il est à 43% de win-rate. Et les autres étaient à 70-55. Enfin bref, je trouve ça extrêmement bizarre. Je sais pas. J'ai aucune idée de pourquoi c'est comme ça. Enfin bref, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé le petit Galio AP. Je ferai peut-être pas de vidéo sur Galio maintenant. C'était vraiment, je pense avoir tout fait. J'ai fait le guide, j'ai fait l'astuce du Trix. Je vous ai reparlé de la Zombie Ward. Là, je vous ai fait une game entière. Les prochains Galio AP, ce sera des best-of. Ce sera dans des best-of, je pense. Bref, sauf si vous voulez plus de games comme ça, vous me le dites. Hein, aucun souci. A bientôt, ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Ciao.